Le pont de Bénouville fut le premier pont libéré en 1944. C'est dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 que l'opération Pegasus Bridge est lancée. Cette mission consistait à se poser en planeur à proximité des ponts afin de les récupérer. Ouistreham est un lieu rempli d'histoire, celle du débarquement, racontée notamment par le musée du mur de l'Atlantique. Ce site exceptionnel fait découvrir sur 5 niveaux toutes les salles intérieures du Grand Bunker permettant d'observer la baie de Seine sur 40 km. La statue de Bill Millin rappelle qu'il débarqua au son de la cornemuse pour encourager les hommes à aller à la bataille. À Courseulles-sur-Mer, le centre Juno Beach en hommage aux 45 000 Canadiens qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 5500 au cours de la bataille de Normandie et 359 le jour J. Le mémorial de Caen reste incontournable sur la bataille de Normandie et l'histoire du XXe siècle.